Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode sur le jeu Last Day on Earth. On se retrouve aujourd'hui pour faire déjà un tout petit opening sur les caisses de marchands, mais qui va être plutôt sympa puisque voilà, j'ai réussi à obtenir 15 caisses de marchands que j'ai mis dans la même petite boîte. Donc on va aller les voir, elles sont là. Ouais, c'est ça, elles sont là, voilà. Donc il y en a 15 à ouvrir dans ces caisses. Alors moi, c'est une chose quand même que je vous invite à faire, c'est à les stocker, ces petites caisses, pour pouvoir vous faire comme ça des petits openings, parce que vous verrez déjà, c'est une façon, si vous voulez, un petit peu d'économiser en fait vos caisses de marchands, et puis derrière bah, ça vous permet tout de suite d'avoir en fait un stock d'armes qui est plutôt sympa et qui vous permet de faire pas mal de zones derrière. Et donc là bah, en gros moi ce qui va m'intéresser dans ces caisses, si vous voulez, dans un premier temps bah, ça va être pour l'instant en tout cas les armes de mêlée, voilà, tout ce qui est machette, tout ce qui est tuyau également, les briseurs d'os mais aussi les massassis pour pouvoir faire les CC, et évidemment si on peut récupérer quand même quelques armes c'est plutôt pas mal, les Glock ou les M16 moi je prends sans problème, également un petit pompe par-ci ou par-là. Et donc allez, on va aller se faire ça ensemble. C'est parti. Allez, première ligne. Donc déjà, on va commencer par un Glock. Bon, nickel. La machette qui va bien. Allez, le katana, super. Le fusil à pompe, ben voilà, il y a déjà un petit peu tout et le tuyau, nickel, pour faire le wall trick, voilà, c'est impeccable pour le moment. On continue sur la deuxième ligne avec un petit katana. Ensuite, on va avoir le briseur d'os. Allez. Le tuyau, impeccable. Le Glock encore et la machette à nouveau. Nickel, nickel. En plus, alors là, je vais essayer quand même de garder les armes jusqu'au bout pour les modes d'armes, les garder avec un PV à la fin. Ok, Massassi, briseur d'os, la M16. Ok, et enfin, le briseur d'os et le tuyau. Et ben voilà, c'est plutôt cool. Ouais, je suis quand même plutôt content du résultat. On va avoir 3 maillets, on va avoir 2 machettes, 3 tuyaux, 2 katanas, 2 glocks, une M16, un pompe et une Massassi. Il y a un peu de tout. Voilà, il y a un peu de tout, mais il y a vraiment de quoi se faire plaisir encore une fois. Ça va m'être bien utile au bunker A, notamment pour aller faire ce bunker A, le wall trick, etc., sans utiliser non plus trop de pieds de biche, puisque malgré tout, du cuir, je vais en avoir besoin incessamment sous peu. Voilà, mais ça fait toujours plaisir, et puis ça fait du stock d'armes, quoi, et ça, c'est plutôt cool. Allez, on va poursuivre maintenant la vidéo. Donc, on va d'abord faire une petite caisse infinie, enfin la caisse gratuite là. Que l'on a une fois par jour, on va la faire ensemble et après on se retrouvera pour le bunker A. À tout de suite. A few moments later. Allez, on se retrouve maintenant sur la map. On va aller se faire cette caisse-là, voilà la boîte inconnue. Et là, pareil comme la dernière fois, et eh ben j'espère que je vais avoir le sac à dos militaire. Je vous passe la pub. Voilà, la pub est faite. Hop, allez, on fait ouvrir. Et non, toujours pas. Bon, et ben c'est pas grave, on va continuer, hein. On va continuer. De toute façon, c'est toujours le loot à prendre, donc on va le prendre. Juste avant d'aller faire l'opening au bunker A, on va aller à la station essence, puisque j'ai deux items à aller poser à la mécano pour continuer de up ma moto. Et oui, faut pas l'oublier, cette moto. Actuellement, j'ai donc réussi quand même, j'ai eu du pot là aussi. J'ai plutôt du pot hein, pour l'instant, depuis le début de cette partie, sur ces petits openings ou les up de différents items. Là en l'occurrence, donc je suis level 5 sur le chopper et j'ai déjà eu deux poches supplémentaires. Voilà, donc le but évidemment c'est d'aller obtenir ces 8 poches, mais aussi pas que, je vous montre les 4 poches hein, que j'ai. Voilà, j'en ai 4. Mais aussi, ce sera d'atteindre le level 40 pour pouvoir avoir accès à la décharge. Et oui, parce que la décharge, eh ben, malgré tout, c'est quand même une zone qui va plus tard aider à avoir bah, les moteurs, hein, tout simplement, des moteurs rouillés, tout ça. Alors, voilà donc la mécano, où est-ce que j'en suis? Niveau 5, j'ai 3000 points sur 3500. Voilà, et donc là, j'ai une roue et une fourche à poser. Hop. Hop. Et on va voir déjà, je sais plus où, voilà, comme ça, tac. Très bien, et donc là, ça va prochainement me demander maintenant 600 points pour passer, 1100 points pour passer au level suivant. Ok, ça marche, allez. Tac, et ben nickel, comme ça, si j'ai un réservoir dans le bunker A, je vais aussi pouvoir aller le poser. Et donc là, je suis niveau 6, allez, c'est parti, on l'améliore. Puissance, économie, volume. Bon, et ben je vais prendre l'économie, je vais faire évoluer l'économie, clairement. Ça consommera moins d'essence pendant les voyages. Allez hop, et ben ce sera peut-être le prochain coup. En attendant, on va aller se faire le bunker A. On se retrouve tout de suite au bunker A. On y est. Donc j'ai pris mes tickets. Voilà, ils sont sur moi. J'ai 20 tickets verts, 25 jaunes, 30 rouges. Donc on va aller s'ouvrir ces caisses. Juste pour vous montrer, j'en ai déjà 10 autres pour la prochaine ouverture. J'ai déjà deux boîtes oranges d'avance. Et puis bon, ben les coupons verts, ça on n'en parle pas. Il y en a suffisamment largement. Pour le reste de ce que j'ai au bunker, ben voilà. Donc là, comme je vous avais dit sur
l'autre vidéo, j'ai encore un petit peu d'armes ici. J'ai également de la tenue. Donc là, j'ai pas mal de tenues pétées, mais on voit ici, j'ai trois tenues qui sont full. J'ai du masque à gaz et du marteau. D'ailleurs, le marteau va falloir que je le ramène. Ici, j'ai d'autres tenues militaires et là, il n'y a rien. Voilà. Bon, ben là, il n'y a rien. Allez, on va aller s'ouvrir ces caisses. Voilà, donc j'aimerais bien, ouais, là, un petit réservoir. Et puis évidemment, comme toujours, des armes à feu. Mais ça, bon, avec le bunker A, pas de surprise. On est sûr d'en avoir. Reste juste à savoir ce que ça va être. Allez, hop, je vais évidemment chercher les filtres aussi, hein, actuellement sur le bunker A. Les filtres pour le bain d'acide, notamment. Alors, hop, bon, bah là, on est sur un loot plutôt classique. Ok, le Glock, le machin, les jetons, ça, du coup, je vais pouvoir les ramener si toutefois j'ai le réservoir. Sinon, bah, on ira un autre jour. Hop, ici, caisse orange. Tac. La Uzi, ok, un Glock, un moteur, une fourche, ouais. Le mode, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est le chargeur amélioré, je crois. Le motif, je l'ai déjà, donc j'en ai pas besoin. Je vais mettre la tenue militaire et on va faire comme ça. Le rouage, ça par contre, je vais le prendre, clairement. Et puis le reste, pareil, j'irai chercher un petit peu plus tard. Ok. Et enfin, on va se faire la caisse rouge. Ah, la caisse rouge, allez. Hop, on fait de la place. C'est parti. Un petit réservoir, ce serait cool. Réservoir, yes, allez, j'ai la M16, le fusil à pompe, le Glock, impeccable, et puis l'AK évidemment. Mais ouais, c'est pas mal ça, qu'est-ce que j'ai d'autre dessous? Ok, j'ai 16 jetons, ouais, j'ai rien de plus, je prends mes clous, parfait. Tout mettre, là j'ai pu avoir du coup deux rouages, vous voyez, c'est quand même pas mal. Hein. Allez, je vais prendre mes deux filtres à air, ça j'en ai absolument besoin, c'est prioritaire actuellement, je vais mettre ça comme ça. Ça comme ça, et puis voilà, et puis tout le reste, et ben pareil, hein, on viendra le chercher un petit peu plus tard. Allez, et ben on va faire un demi-tour à la station essence. Et puis, je l'ai pas celui-là, si je l'ai déjà. Et puis, ben, je vous dis à tout de suite. Hein. Allez, allez, hop, on court. On va aller poser ce réservoir là. Et puis on va aller mettre le reste. Alors la fourche, on va aller mettre dans le coffre juste à côté. J'avais déjà posé des trucs, je crois. Non, mais je vais les poser. Enfin, si, j'en avais déjà posé, mais ils ont été utilisés pour attendre que le truc se reset. Alors, on va poser ce réservoir. Tac, allez, niveau 7, ça c'est bon. Évidemment, les moteurs, les ressorts, tout ça, pour l'instant, je les garde parce que je vais en avoir besoin pour d'autres trucs. Hop, améliorer, durabilité. Ok, toujours pas. Enfin, toujours pas. Je me comprends. Toujours pas de poche supplémentaire. Eh ben, on reste sur l'économie. Allez, hop, voilà. Plus vite j'aurai passé ce level, bah plus vite ça me dégagerait une place également pour le reste. Donc on est tout bon. Bah écoutez, je pense qu'on a à peu près fait le tour pour cet opening. Voilà, c'était plutôt sympa. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Et puis bah pour ce qui me concerne, comme d'habitude, je vous dis à très 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 bientôt. Allez, ciao!